finir en zomperie. Oh mon Dieu merci de me garder en vie. Je sais très bien qu'ils m'envient, ils sont pleins de jalousie. Père petit t'as surné, je me balade et tous mes ennemis je les vois plus. Tu parles sur moi en bien ou en mal, je m'en bats les couilles tant que tu me fais de la pute. Nickel, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo de Glitch. Donc je remercie avant toute chose Scuderia, c'est là de m'avoir aidé pour cette vidéo. Donc il m'a expliqué le glitch, donc sa chaîne est en description. Merci à tous les gars, en tout cas d'aller checker un peu sa chaîne. Voilà, n'hésitez pas à aller checker, je pense que ça vaut le coup. Il fait vraiment des bons glitchs les gars, donc n'hésitez pas. Sans plus attendre, on va passer aussi les gars à la vraie sujet de la vidéo. Donc c'est tout simplement un glitch d'argent en illimité les gars, d'accord. Un glitch de duplication si on peut dire ça comme ça. Mais c'est pas vraiment un glitch de duplication, c'est vraiment pour vous faire de l'argent en illimité très facilement les gars. Donc les gars, n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux qui sont dans la description, tels que Snapchat et Instagram, où je vous fais les résultats de tous les concours lobby. Donc faut être aussi au courant les gars que je vous fais gagner 10 comptes lobby à mes 15 000 abonnés. Donc pour participer c'est très simple, tout se retrouve en description. Mon Snapchat, faut m'ajouter dessus, être abonné à ma chaîne YouTube et liker cette vidéo et m'envoyer toutes les preuves sur Snapchat en screen. Et bien sûr les gagnants seront affichés en story, soit Instagram soit Snapchat. Donc ajoutez moi sur les deux et au niveau des 15 000 abonnés tout sera affiché. Donc les gars c'est parti, comme vous aurez pu voir au titre, comme je vous l'ai dit, ça sera un glitch d'argent très facile à faire. Donc pour ça il vous faudra le bunker, il vous faudra l'arena war et il vous faudra aussi dernière position, il faudra mettre bien sûr le bunker et il vous faudra plein délégué RH8, car plus vous avez délégué RH8 mieux ça sera pour faire le glitch, vous aurez beaucoup d'argent pour le faire beaucoup de fois. Donc apparition les gars, ce que vous allez devoir faire c'est le mettre bunker de la ferme. Une fois que vous avez fait ça, donc moi je vais pas le faire puisque je l'ai déjà fait. Une fois que vous avez fait apparition bunker de la ferme, ici vous l'avez mis, et eh ben vous allez tout simplement faire start, trouver une nouvelle session. Et une fois que là vous avez trouvé une nouvelle session, c'est à ce moment là que vous allez venir comme moi où je suis actuellement dans l'arena war. Donc pour ceux qui n'ont pas le bouton apparition comme moi tout à l'heure, donc bunker de la ferme, c'est parce qu'il vous faut l'espace personnel dans le bunker. Donc là vous allez sur internet, ensuite foreclosure maze bank, accédez au site, vous allez à votre bunker, donc moi il est ici, et regardez espace de personnel. Espace personnel ça coûte environ 265 000 $, moi je l'ai pris, donc faut vraiment le prendre pour ce glitch, c'est important les gars si vous voulez avoir l'apparition au bunker de la ferme, ou bien sûr ou à un autre bunker, hein. Donc voilà. Une fois que les gars vous avez fait ça, c'est très simple. Donc regardez, moi je vais prendre une élégie, donc par exemple celle-ci, je monte dedans. Donc vous aussi pareil les gars, vous mettez autant d'élégies RH8 que vous voulez. Vous faites flèche de droite pour modifier le véhicule. Donc là ça va le rentrer dans l'atelier de customisation. Donc il vous le faut aussi les gars dans l'arena war. Faut celui de Benny. D'accord, il faut vraiment l'atelier de customisation. Ensuite vous faites rond, descendre du véhicule. Une fois que vous avez fait descendre du véhicule, c'est très simple, vous allez aller au niveau de votre RC Bandito. Et donc en fait les gars, plus vous allez customiser votre RC Bandito, plus il aura de customisation, donc il sera amélioré au maximum, plus ben votre Eligi va se revendre plus cher. D'accord les gars, donc plus vous améliorez votre RC, plus votre voiture sera plus chère à vendre. Donc là vous faites flèche de droite. Une fois que vous avez fait flèche de droite, vous faites rond, quittez l'atelier. Et donc une fois que vous avez fait rond, quitter l'atelier, vous allez venir à côté de la porte, vous allez appuyer une fois sur triangle, donc pour rentrer dans le véhicule. Et le moment où vous appuyez sur triangle, donc quand vous voyez qu'il ouvre la portière, vous restez appuyé sur option sans relâcher, donc sur start sans relâcher le bouton, d'accord les gars. Donc hop, triangle, là je reste appuyé sur option. Et le moment où je regardais en haut à gauche, il y a marqué flèche de gauche ou flèche de droite. Le moment où je vous dis de lâcher le bouton option, bah c'est à ce moment là que vous allez spammer la flèche de gauche, d'accord les gars. Donc là regardez, je vais lâcher le bouton option, donc c'est possible que vous ratiez. Moi j'ai fait plusieurs essais avant d'y arriver. Donc là regardez, je lâche le bouton option et directement je fais flèche de gauche. Donc là ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave, vous pouvez le faire les gars, à chaque fois vous refaites ça. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps, vous refaites flèche de droite. Hop, donc là ça me fait rentrer. Mettez un maximum de pouces bleus les gars, on tente l'objectif des 500 pouces bleus sur cette vidéo, je sais que vous en êtes capable. Donc descendez du véhicule, ensuite vous allez à votre RC Bandito. Faites flèche de droite, rond, quittez l'atelier. Et là les gars pareil, vous refaites. Donc là vous faites triangle, vous restez appuyé sur le bouton option. Et là vous relâchez direct et vous faites flèche de gauche en illimité. Donc d'accord, vous spammez et regardez là, ça va arrêter votre véhicule. Votre personnage va se mettre à courir tout seul. Donc là c'est nickel, ça veut dire que le glitch a bien fonctionné. Maintenant vous allez faire pavé tactile, vous allez vous mettre à la vue première personne. Vous allez aller dans style, descendre. Et là les gars dans les actions, donc pour danser, alors vous allez prendre une danse peu importe laquelle. Et regardez, dès qu'il s'arrête là vous commencez à faire la danse, hop, et c'est bon, votre personnage est débugué, parce que si vous le faites pas il sera bugué, vous ne pourrez plus bouger. Et à ce moment là les gars, vous allez tout simplement aller chercher votre Elegy
custom qui est juste ici. Donc regardez, elle a pris tout simplement la forme du RC Bandito, d'accord, avec le même prix, exactement les mêmes roues. Et donc pareil les gars, hein, si vous voulez par exemple avoir des véhicules modés très facilement, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo que j'ai faite. Donc là regardez, hop, je fais flash de droite pour modifier mon véhicule. Donc là ça me fait rentrer à l'intérieur. Et donc là regardez, quand les gars je vais dans vendre, je peux là le revendre 12 500. Donc les gars pourquoi? Parce que plus en fait vous allez améliorer votre RC Bandito, bah, plus vous allez pouvoir revendre votre Elegy plus cher. Donc regardez, moi je l'ai acheté, on a acheté mon Elegy 0$, je la revends 12 500. Donc c'est toujours ça de bénéfice. Donc regardez maintenant ce que vous pouvez faire, c'est soit la vendre. Donc pour ma part je vais pas la vendre, je vais juste faire quitter la teuf. Je vais la vendre, allez, juste pour vous montrer. Voilà, donc là j'ai vendu le véhicule. Et donc regardez en haut à droite, ça m'a donné plus 12 500$. Donc voilà, pour ceux qui sont riches bien sûr c'est pas énorme, mais pour ceux qui sont pauvres ça reste un glitch assez cool à faire, d'accord les gars. Voilà, donc moi les gars je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, c'était James et bye tout le monde, bye.